Il est pile 7 h. Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin. Installez-vous confortablement. Rahab Alikbara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à On vous tous. retrouve dans un instant pour le premier service de ce matin, la une des journaux. Et dans l'actualité, eh bien, le bal est ouvert à la Commission électorale nationale autonome. Première journée des dépôts de dossiers de candidature dans la perspective de la présidentielle du 11 avril. Patrice Agosimenu et Ganiou Soglo sont pour l'heure les deux potentiels candidats à avoir déposé leur dossier à la Sénat hier. Et donc, deux déclarations de candidature qui alimentent ce matin les unes des journaux. Vous découvrirez les titres avec Wahab Alikbara, le journal Fraternité, le quotidien, le matinal y voit pour cette première journée d'enregistrement des amuseurs de galerie et des pagailleurs. En attendant les grosses pointures de ces déclarations, on en parle au forum, les images dans le mini-journal avec Clément Atchadé. Et puis en route pour le 11 avril, le champ politique s'anime. Dimanche, à Djougou, les femmes ont approuvé le duo Patrice Talon, Mariam Zimé, Chabi Talata et apportent leur soutien à ce ticket présidentiel. Nous reviendrons donc sur cette actualité avec notre invité, Mohamed Nazif Moutawakil. Il est acteur politique et membre du parti Bloc Républicain. Il sera avec nous en plateau pour nous dire les tenants et aboutissants de cette activité politique. Restez avec nous, on dira également un mot au forum de discussion sur cette manifestation à Kétou. C'était hier un contrôle douanier de moto qui a tourné donc à l'affrontement entre douaniers militaires et les populations. Il y a eu beaucoup de blessés. On va en parler tout à l'heure au forum de discussion. Beaucoup plus de précisions en fin d'édition dans la revue de presse avec Assiomou Kani. Assiomou, merci de votre fidélité. Alerte. Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, les gros titres de la presse nationale ce matin, nous avons quelques journaux sous la main, c'est mardi. Hein? Oui, c'est mardi. Mardi, comme j'ai dit, n'est-ce pas, on a très peu de parutions. Et évidemment, aujourd'hui, très peu de parutions, mais il y a Fraternité qui, comme d'habitude, nous apporte les premières informations, informations liées donc à l'actualité politique ce matin. Premier jour, sinon première journée de dépôt de dossier pour la présidentielle, deux candidats pour amuser la galerie, Patrice Ago et Ganiou Soglo. En attendant, les grosses pointures. Lutte contre la lèpre au Bénin, plongée dans la vie des lépreux guéris. Information à retrouver aux pages 2 et 4 du quotidien Fraternité. Campagne 1000, les Lagnos du district 403 à 4 mobilisent des fonds au profit de la NCF. MTN s'associe à l'Union africaine pour la vaccination contre la COVID-19. À la une maintenant de la Nation, formation technique et professionnelle, 323 milliards de francs CFA pour la construction de lycées et collèges. Dépôt de dossier de candidature pour le compte de la présidentielle d'avril 2021, deux potentiels candidats déjà enregistrés. Puis face aux nouvelles règles de WhatsApp, les internautes béninois inquiets. La Nation qui nous apprend également qu'il y a eu affrontement entre population et douaniers, des blessés graves. C'est le bilan de l'affrontement sanglant entre certains individus et les agents de douane à Kétou. C'était hier lundi.
Soleil levant, dernier classement défavorable du Bénin par Transparency International. Cela veut dire que la lutte contre l'impunité et la corruption est un défi permanent, selon Wilfried Léandre Ngbedji. Candidature à la présidentielle de 2021, Patrice Simenu et Ganou Soglo, les premiers à déposer leur dossier présidentiel de 2021. Voici la procédure à suivre à la Sénat pour le dépôt des candidatures. Information donc à retrouver à la page 4 du quotidien Soleil Levant. Le matinal à présent, enregistrement des candidatures pour la présidentielle du 11 avril, deux pagayeurs à la Sénat. Ganou Soglo et Patrice Simenu déposent des dossiers incomplets. Troisième congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le précieux soutien du président Patrice Talon à l'UDBN. Claudine Prudence confortée de nouveaux défis pour son parti. Développement de la capitale économique du Bénin, les ambitions du maire Luc Setondji à Tropo pour la ville de Cotonou. Information à retrouver à la page 9 du journal Le Matinal. Matin libre pour finir, Christian Dandédian présent au congrès de l'IDBN sans y être attendu. Talon marque sa reconnaissance envers Claudine Prudencio. À Kétou, un contrôle douanier dégénère. Un dialogue État-population s'impose selon Matin libre. Et puis présidentiel de 2021, réception de candidature à la Sénat. Première journée de dossiers enregistrés. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce mardi avec Fraternité qui revient sur la première journée de dépôt des dossiers à la Sénat. Deux candidats pour amuser la galerie, Patrice Ago et Ganou Soglo, en attendant les grosses pointures. Voilà, deux candidats pour amuser la galerie. Titre ce matin, le quotidien Fraternité. En tout cas, dans notre mini-journal, nous avons passé une journée à la Sénat avec Ulrich Gaba qui reviendra donc sur cette première journée de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 11 avril prochain. C'est ça qui fait d'ailleurs l'actualité. C'est le deuxième jour aujourd'hui. Nous verrons, bien évidemment, qui sont ces potentiels candidats qui se rendront du côté de la Commission électorale nationale autonome. Et puis, des faits divers, des faits de société se ce matin, dans le quotidien Fraternité, en sa page 4, qui précise qu'un jeune homme a bastonné et ce sévèrement sa mère pour l'avoir surprise dans une plantation de cajou. C'était très tôt hier, lundi matin. La mère se serait rendue dans ce champ de cajou pour ramasser quelques graines à vendre afin de se procurer un peu de ressources pour subvenir à ses besoins, ce qui n'a pas été du goût de son enfant qui l'a violenté, l'a passé à tabac. Le jeune homme serait gardé à vue à Djidja. Et puis, dans la commune de Banté, 5 corps sans vie ont été retrouvés charcutés dans une ferme dans le village d'Aguilé. C'est dans la commune de Banté. Il s'agit, selon les informations reçues du gardien de la ferme, d'un couple Peul, propriétaire de la ferme, et de deux autres personnes. Une fillette a été également retrouvée sur les lieux, blessée. Elle a été d'urgence conduite à l'hôpital pour les premiers soins. Ce sont là quelques informations pêle-mêle que nous partageons avec vous ce matin. Oui, que dites-vous de ces deux faits de société? Non, faits de société très inquiétants, surtout quand on prend le cas de Banté, où on a enregistré des morts. Ça devient désagréable. On a besoin de citoyens vivants pour contribuer au développement aussi bien de nos communes que de toute la nation. Maintenant, quand on en vient à un jeune garçon qui a suffisamment d'énergie pour bastonner sa mère parce que celle-ci est allée chercher quelques graines de cajou dans un champ, je pense qu'il aurait pu utiliser cette énergie, n'est-ce pas, pour travailler, trouver des ressources et s'occuper de ça. Mais c'est une nécessité cruciale qui a sans doute poussé la maman à se retrouver absolument dans un champ de cajou. Appartenant à son fils. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'il a les moyens pour nourrir sa maman. Si la maman n'avait pas faim, si la maman n'était pas dans le besoin, elle n'ira pas dans un champ. Et quand on laisse ce détail-là, en arriver à bastonner aussi violemment sa mère, on parle de sa mère, celle-là qui
qui a consacré plusieurs mois pour vous apporter, n'est-ce pas, pour vous amener en vie. Donc, c'est plus ou moins inexplicable. Voilà. Oui, un mot à dire, Climat, tiens, bonjour. Oui, surtout en ce qui concerne la commune de Montaigne, je crois qu'il faut... Il faut encore renforcer le système en sécurité dans cette commune parce que ce n'est pas la première fois. Et c'est vrai, le président Talon travaille beaucoup en ce qui concerne la sécurité depuis quelques années. Il faut une fois encore renforcer la sécurité dans cette commune qui apparemment aujourd'hui fait face à cette terrible situation d'insécurité. Voilà, vous restez avec nous, Clément Tchadé. On va vous retrouver tout à l'heure à Khavalikpara au forum de discussion. Oui, Clément, le mini-journal, ce sera avec vous. Titres. Oui, dans les titres, Christian politique avec la toute première journée de dépôt de dossier de candidature à la Sénat. Deux candidats ont répondu présents. Ils ne sont pas certes les plus convoités, encore moins les plus adulés, mais ils sont assez spéciaux pour avoir attiré l'attention du public en faisant les formalités. C'est ce que nous dira notre envoyé spécial à la Commission électorale nationale autonome. À suivre également ce nouveau-né dans l'arène de la société civile et force engagée pour la paix et le développement en Afrique, c'est son nom. Cette plateforme vise à œuvrer pour la paix en période électorale. Le congrès constitutif a consacré sa mise en place a eu lieu samedi à Porto Novo, la capitale. Voilà, le développement de ces titres, ce sera tout à l'heure après cette pause. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Eh bien, dans l'actualité ce matin, on parle de cette marche vers le 11 avril, date où va se tenir le scrutin présidentiel en République du Bénin et de cette opération de dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Deux candidats ont répondu présents, ils le disaient tantôt dans les titres, ils ne sont pas les plus convoités, encore moins les plus adulés, mais ils sont assez spéciaux pour avoir attiré l'attention du public en faisant les formalités de façon réglementaire. Le profil des candidats avec notre envoyé spécial à la Sénat, Ulrich Gaba. Voici l'homme qui ouvre le bal des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Patrice Siménouago est un habitué de l'exercice. Déjà candidat recalé en 2011, puis en 2016, l'homme revient cette fois-ci avec la photo de Marie, Mère de Jésus, comme logo. Candidat unique et indépendant, il compte sur la foi pour faire passer son dossier. Nous sommes candidats individuels. On n'a pas besoin de parrainage. Nous sommes dans le Bénin. Et le Bénin nous appartient à nous tous. Je sais que c'est mon Dieu qui me parraine. S'il a accepté qu'on me recale, je l'accepte. Au moment opportun, il pourra intervenir à ma place pour qu'on puisse me récupérer. Juste après cette candidature atypique qui frise la plaisanterie, c'est l'ancien ministre Galio Soglo qui passe devant les membres de la Sénat. Il est aussi sans colistier. Il estime avoir déposé ses dossiers selon les tests de la loi fondamentale initiale. Je suis candidat parce que la constitution du 11 décembre 1990 me le permet. C'est en effet notre loi fondamentale. La voix de tout un peuple qui a été voté par référendum. En attendant de compléter leur dossier pour répondre aux normes du code électoral en vigueur, ces deux candidats ont quand même le mérite d'avoir occupé la première journée de dépôt des dossiers, tel que prévu dans le calendrier électoral.
Et la deuxième journée de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle, c'est donc aujourd'hui. L'opération se poursuit jusqu'au jeudi prochain. Et hier, donc, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, était face à la presse, Clément Tchadé. Oui, Christian, au menu de cette sortie médiatique, le point de l'opération de distribution des formulaires nominatifs du parrainage par la Sénat. Au total, 159 formulaires sont distribués au soir du 28 janvier 2021. Eh bien, le processus étant achevé le dimanche 31 janvier, selon le calendrier électoral. Il était donc de bon ton que le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, vienne restituer aux professionnels des médias le point de cette opération. Regardez. Selon les dispositions du 8e tiret de l'article 132 du Code électoral, la recevabilité des dossiers de candidature est subordonnée à la présentation de 16 formulaires nominatifs au moins au nombre des pièces exigées. C'est en application de ces dispositions constitutionnelles et légales que la Sénat a pris toutes les mesures appropriées pour délivrer aux potentiels parrains leur formulaire nominatif de parrainage, à charge pour eux de le remettre au candidat de leur choix sans implication de la Sénat. Cette opération, prévue du 12 au 31 janvier 2021, s'est achevée en fait le 28 janvier avec l'accomplissement des formalités par le dernier potentiel parrain. Ainsi, au terme de cette opération, la Sénat voudrait annoncer officiellement que pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, elle a délivré 159 formulaires nominatifs de parrainage sur les 159 attendus, soit 82 députés et 77 maires. Toujours politique, comme cette fois-ci dans le Septentrion, les femmes de la commune de Djougou entérinent la candidature du duo et Patrice Talon-Mariam Tchabi-Talata-Zimé à la présidentielle d'avril 2021. C'est à travers une forte mobilisation des femmes à la place de l'indépendance de la ville dimanche qu'elles l'ont fait savoir. Au cours de cette rencontre, elles ont également témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour les différentes réformes engagées en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Reportage. C'est dans une ambiance de ferveur totale que ces femmes, issues des différentes couches socio-professionnelles de Djougou, manifestent leur joie après le choix de Mariam Talata, colissière de Patrice Talon, à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Fortement mobilisée à cette légendaire place de l'indépendance de la ville sous le leadership du maire Abdul Malik Seibou, elles ont voulu ainsi à l'unisson témoigner non seulement leur reconnaissance au chef de l'État pour les réformes engagées dans tous les secteurs de la vie publique, mais aussi et surtout entériner la candidature du duo Patrice Talon-Mariam Talata à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président de la République, les ouvrières sans relâche, que sont les femmes de Djougou, vous félicitent pour votre candidature aux prochaines élections présidentielles et surtout pour avoir vu juste, sinon très juste, de porter votre choix sur une femme au poste de vice-présidente. Oui, une femme pleine de qualités, de dévouement et d'engagement. Comme on le dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais nous, les femmes de Djougou, nous dirons, à côté d'un grand homme se trouve une femme de qualité. Je voudrais remercier notre président, le président de la République, M. Patrice Talon, pour avoir choisi une dame, une brave dame, en la personne de Mme Talata Chabi, raison pour laquelle nous sommes sortis nombreux. Nous voulons aller à l'école de cette femme-là pour que prochainement nous-mêmes, nous n'ayons pas peur de prendre la responsabilité de diriger. Il faut que la femme reconnaisse sa place. Elle est une femme,
une femme forte pour nous. Elle est notre lumière. Nous, femmes de Djougou, nous réitérons une fois encore notre engagement. Nous sommes déterminés à accompagner les mouvements du chef de l'État, le président et Patrice Guillaume Athanase Talon. La problématique de l'approche genre constitue une préoccupation majeure du chef de l'État et sa volonté d'être accompagné par une femme vient une fois encore raviver la flamme de l'espoir au sein de la jeune féminine. Tour à tour, elles se sont succédées au pupitre qui, pour plaider davantage en faveur de la discrimination positive, qui, pour demander la réalisation d'un certain nombre de projets chers pour la commune de Djougou. Monsieur le Président de la République, nous serons plus reconnaissants pour l'implantation des usines qui permettront désormais d'occuper les hommes et les femmes afin d'éviter l'immigration. Au représentant du maire Abdoulmalik Seibou, de saluer la démarche de ces vaillantes femmes. Je sais que votre soutien au président de la République n'est point un soutien du bout des lèvres, mais c'est un soutien franc et massif. Je voudrais, au nom du maire de la commune de Djougou, vous en remercier et vous rassurer que les différents discours lus ici seront transmis à qui de droit. À travers cette forte mobilisation, les femmes de Djougou viennent ainsi de sceller un pacte de fidélité et de loyauté avec le duo de la mouvance présidentielle pour les prochaines joutes électorales. Toute autre chose maintenant, 5 années de gestion de pouvoir dans la paix avec des réformes appréciées par nombre de Béninois. Cela mérite d'être souligné, c'est ce qu'on fait le dimanche 31 janvier 2021. Les amis de Patrice Talon du littoral à Majestic, c'est une salle de fête à Kadjéou. C'est à travers une séance de louanges et de prières en sa faveur. Assiangbon, Kanyi Assiangbon. Ici, dans le département du littoral, le chef de l'État peut se réjouir de ses amis qui ont organisé en sa faveur une séance de louanges et de prières. Réunis dans le Creuset, les amis de Patrice Talon du littoral, ils sont des conseillers du Bloc républicain comme de l'Union progressiste et d'autres amis fascinés par les résultats de l'homme. Le Seigneur nous accorde la grâce et le privilège de désigner un ami à nous comme chef au Bénin. Mais le Seigneur, dans son infinie bonté, a permis que la mission républicaine que le peuple lui a confiée soit accomplie avec un succès retentissant. Que le Seigneur en soit éternellement loué. Patrice Talon a démarré l'exercice de son mandat en bonne santé. Il est en train de l'achever en bonne santé, a complété Léopold Benou. Et en plus, a-t-il ajouté, son bilan est à la faveur des attentes, donc une double grâce. Et tout comme lui, plusieurs autres intervenants l'ont aussi souligné. Cette prière est nécessaire dans la mesure où nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis, avec le président Patrice Talon, de traverser 5 ans de bonnes réformes politiques pour le Bénin, bonnes réformes politiques et économiques pour le Bénin. Et comme nous sommes dans la dynamique, nous avons décidé de confier encore le président Patrice Talon et le Bénin à Dieu le Tout-Puissant. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il endure, tout ce qu'il endure à cause de nous, nous allons prier tous les membres de nos ancêtres, nous allons prier Dieu, nous allons prier tout, chacun dans son église, dans cette paroisse, n'ont qu'à prier pour que la paix règne dans ce pays. L'organisateur Léopold Gbenou a insisté sur le sens que revêt cette séance de louanges et de prières. Une pensée à la nation et au chef de l'État. Cette séance de prières et de louanges pour, dans un premier temps, prier pour la nation en général, prier pour notre pays. Ensuite, prier pour le président qui vient de finir 5 ans, un mandat de 5 ans avec brio, avec joie et avec beaucoup de réformes. Et il faut quand même ce moment de prière pour que nous passions, ce moment d'élection se passe comme des moments de fête. Voilà. Et je crois que Dieu a exaucé notre prière. Vous voyez, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie.
Pour le creuset, les amis de Patrice Talon du littoral, ils sont avec lui pour sa vision et parce qu'il aime et travaille ardemment pour son peuple. Pour eux, le Bénin avance grâce à l'homme. Alors, il faut lui témoigner de l'amour. Et puis, je vous le disais en titre, ce nouveau-né dans l'arène des organisations non gouvernementales. Il s'agit de forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique. Cette plateforme vise à œuvrer pour la paix en période électorale. Le congrès constitutif qui consacre donc sa mise en place a eu lieu samedi à la Maison des Jeunes de Porto-Novo. Emma Rodono. Réunis ici, des hommes et femmes qui ont décidé d'œuvrer pour la paix, notamment en période électorale. Ils agiront désormais sous la bannière des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, une plateforme officiellement constituée lors de ce congrès. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit des membres du comité d'organisation et l'ensemble des congressistes ici présents pour leur sollicitude et leur sens élevé d'engagement. Oui, les défis sont grands en ce qui concerne l'effort de maintien de paix en période électorale, partout en Afrique et dans le monde. L'événement du Capitole aux États-Unis, grande démocratie, en est une preuve palpable. C'est pourquoi la FEPD Afrique s'engage à apporter sa modeste contribution pour la paix durable au Bénin, gage du développement durable. Pour relever le défi qu'elle s'est assigné, la plateforme FEPD Afrique a adopté lors de ce congrès ses tests fondamentaux et a mis en place ses organes dirigeants. Nestor Avonomaribé a été désigné pour présider aux destinées de la plateforme. Je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et aux mânes de nos ancêtres qui ont permis que nous nous retrouvions en ce moment et en ce lieu. Je voudrais ensuite témoigner de ma gratitude à tous les congressistes qui ont bien voulu placer leur confiance à ma modeste personne. Je peux vous rassurer de mon engagement et de ma détermination a conduit notre plateforme à bon port afin que les objectifs de paix et de développement soient atteints. Notre ambition est de faire jouer à notre plateforme un rôle déterminant pour la paix partout en Afrique et la promotion des relations paisibles, gage d'un développement durable. Ainsi, nous aurions contribué à éteindre le foyer de tension et préserver le havre de paix partout sur le continent africain. Le tout premier challenge des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique reste la prochaine élection présidentielle au Bénin. Et sur ce terrain, Nestor Avonomaribé et son équipe comptent bien jouer leur partition aux côtés des différentes parties prenantes pour que ce rendez-vous électoral se déroule dans la paix. Et puis, dans le monde des médias, le personnel et les cadres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont en conclave à Bomé. L'institution a organisé un séminaire préparatoire pour la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle d'avril 2021. L'objectif est de mieux outiller les conseillers et le personnel administratif de l'instance de régulation des médias en vue du cadrage et du contrôle des organes de presse en période électorale. Ce séminaire pour préparer la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle à venir. La rencontre est initiée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC. Elle regroupe le personnel et les autres cadres en service dans l'institution. Ensemble, ils vont revisiter les textes et lois en vigueur et qui recadrent les organes de presse en vue d'éviter tout dérapage ou toute compromission dans le traitement de l'information dans le cadre de la prochaine échéance électorale. Les textes n'ont de valeur que si on les contrôle, on les surveille, on les apprend à les appliquer. Et le rôle du régulateur, comme vous le savez très bien, c'est d'abord faire connaître les tests dans le domaine, puis après de surveiller
que ces tests-là sont suivis par les acteurs. Comme résultat, à la fin, c'est d'avoir ces outils et de s'assurer que tous les acteurs, parce qu'après cette étape, c'est d'aller en contact des professionnels que vous êtes, acteurs donc de la campagne médiatique, d'essayer de voir avec vous que nous sommes en train de parler le même langage que les dispositions légales de nos pays. Pendant 3 jours, les participants vont suivre plusieurs communications. Celles-ci ont trait au chronogramme des activités de la RAC au cours de la gestion de la campagne médiatique, la présentation des grandes lignes du projet de la décision portant réglementation de la campagne médiatique pour la présidentielle, les forces et faiblesses de la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour la présidentielle et enfin le code électoral et la charte des partis politiques, mission de la RAC en période électorale. Les différents thèmes vont être développés par des consultants choisis sur la base de critères bien définis. Nous avons échangé sur leur mission regard à la constitution du Bénin parce que c'est la source même de leur mission. Nous avons interrogé la charte des partis politiques qui consacre le droit d'accès aux médias, aux partis politiques et autres associations dans le pays. Nous avons interrogé le code électoral qui est même le ciment de l'organisation des élections. La question spécifiquement relative à la régulation de la campagne électorale, et qui dit campagne électorale, dit un peu la campagne qui précède les élections aussi, qui est la campagne qui demeure une période sensible, donc la HAC doit être un peu vigilante. Nous avons interrogé le code du numérique, il n'y a pas grand-chose dans le code du numérique qui concerne les élections. Le code pénal aussi, puisque les transgressions à la loi électorale sont punies par le code pénal. Ponctué également de travaux en atelier et autres activités, les assises entrent dans le cadre du dispositif organisationnel du suivi de la veille communicationnelle durant la période électorale de la RAC. La prochaine étape sera la rencontre avec les professionnels des médias afin de les informer des conduites à tenir avant, pendant et après la période électorale. Action sociale dans ce mini-journal, les différents clubs Lyon du district 403 A4 ont organisé samedi un dîner de gala. C'est pour la collecte de fonds dans le cadre de la campagne 100. Les ressources réunies à l'issue de l'événement serviront à contribuer à la mise en œuvre des projets et programmes utiles de la fondation du Lions Club International. Le dîner a eu lieu à Cotonou en présence du gouverneur du district. Un cadre majestueusement dressé pour un événement de taille. Le dîner de gala des différents clubs Lyon du district 403 A4 pour une collecte de fonds dans le cadre de la campagne 100. Et pour en arriver à ce décor flamboyant, il a fallu l'expertise de 9 Lyon, toutes des présidentes de clubs. J'aimerais remercier particulièrement le gouverneur qui a pesé de tout son poids pour la réalisation de cet événement et qui l'a confié, je parle de l'exécution de l'événement, à notre amie Frida Razoumé qu'on ne présente plus et dont l'efficacité se révèle ce soir. Les soirées de gala suivies de collecte de fonds sont toujours des moments d'exception où l'on rencontre des personnes extraordinaires. C'est un lieu d'échange, un endroit où l'on doit se retrouver dans l'amitié, la fraternité, la convivialité et dans l'esprit humaniste qui doit être celui des lions. L'objectif de la soirée est de réunir suffisamment de ressources au profit de la fondation de Lions Club International LCIF. C'est un acte dont les retombées peuvent être considérables puisqu'il s'agit des fonds pour soutenir les programmes de la fondation. 2020, l'année qui vient de passer, plus que toute autre année, notre altruisme a fait toute la différence dans des collectivités du monde entier, tous ensemble avec la fondation du Lions Club International, la LCIF et la campagne 100. Nous avons donné au service des Lions le moyen de son action
combattu l'insécurité alimentaire, protégé la santé de nos concitoyens contre la pandémie et bien plus encore. Engagés à poursuivre leur altruisme, les différents clubs du district 403 A4, à travers cet événement de collecte de fonds, n'ont pas lésiné sur les moyens. En atteste le tableau vendu à l'occasion au prix d'1 351 000 francs CFA. De plus, des lions et des lionnes ont payé des plaques à plus de 500 000 francs CFA. Tout ceci pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en besoin. Nous sommes à l'aboutissement d'un processus qui a démarré depuis fin novembre. Un processus de mobilisation des présidents des clubs, des lions à tous les niveaux. Et à l'heure où je vous parle, nous avons atteint 20 000 dollars de dons à la LCF, soit la moitié de notre objectif. La soirée de gala et de collecte de fonds a également servi de cadre à la remise de plaques de Melvin Jones à des lions. Ils sont trois nouveaux à rejoindre le cercle des compagnons Melvin Jones. De son côté, la présidente du comité d'organisation, Frida Hazoumé da Silva, a reçu une distinction spéciale pour son engagement. Le gouverneur a ensuite procédé à la coupure du gâteau de la campagne 100. La soirée s'est achevée dans une ambiance festive. Action sociale toujours, grâce à CARE International Bénin Togo, les jeunes de Ikmilé pourront avoir désormais accès à la vraie information en matière de santé et de la reproduction. En effet, cette organisation a totalement réfectionné le centre des jeunes de la localité. L'inauguration s'est déroulée vendredi en présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Cette coupure de ruban consacre la mise en service du centre des jeunes de Ikmilé dans la commune d'Adjaweré. Il a été totalement réfectionné et doté d'une infirmerie, d'un cyber et d'un espace d'activité ludique par CARE Bénin Togo avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. L'objectif est de permettre aux jeunes d'Ikmilé d'avoir un cadre de divertissement, de recherche et surtout d'écoute et de conseils en santé sexuelle et reproductive, afin de lutter contre les cas de grossesse en milieu scolaire et les maladies sexuellement transmissibles. Un centre de jeunes est un lieu d'écoute, est un lieu de rencontre, est un lieu de conseil, d'orientation, un espace convivial où on peut se parler de pair, en confidentialité sur des questions importantes comme celles de la santé reproductive, de sa vie, de sa sexualité, d'une sexualité saine et responsable. Les services et l'information que les jeunes peuvent recevoir ici sont vraiment essentiels pour augmenter le respect mutuel entre jeunes filles et jeunes garçons, pour améliorer l'égalité du genre entre hommes et femmes, entre jeunes garçons et jeunes filles, pour diminuer le taux de grossesse précoce et non désirée, et pour essayer vraiment de diminuer le taux de morbidité maternelle et mortalité maternelle parmi les jeunes filles. D'un coût global de 20 millions de francs CFA, la réfection de ce centre de jeunes entre dans le cadre du projet « Promotion de la santé et droits sexuels et reproductifs au Bénin » piloté par le consortium des ONG ABMS, ABPF et CARE Bénin Togo. Les centres comme celui-ci ont une importance capitale dans le dispositif. C'est pour cela que je voudrais inviter chacun de nous à jouer sa partition pour que le centre soit réellement au service des adolescents et jeunes. Je voudrais donc compter sur chacun de nous pour y parvenir. Chers jeunes, ce centre est le vôtre. N'hésitez pas à le fréquenter. C'est ici que vous aurez les vraies informations. Pas dans la rue, pas avec vos amis, pas sur l'Internet sans guide.
Venez et vous serez servis. Les bonnes informations qui seront servies dans ce centre devront favoriser chez les jeunes, et c'est le souhait de Kay Benetogo, des comportements sexuels responsables. C'est sur cet élément que s'achève ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous Clément Atchadé. L'actualité de retour tout à l'heure quand il sonnera 13h sur Canal 3 Bénin. Prenez le rendez-vous. Et pendant qu'il sonne 7h40, eh bien, nous allons observer la pause juste après le forum de discussion avec les débatteurs de tous les matins. Juste après l'invité du forum, nous aurons Mohamed Nazif Moutawakilou. Il est acteur politique et membre du parti Bloc Républicain. Il reviendra donc sur cette activité politique du week-end à Djougou où les femmes se sont fortement mobilisées pour porter la candidature du chef de l'État Patrice Talon et de sa colistière. Restez avec nous. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités ? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants ? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là ? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Ouais. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. On me donne des compteurs, s'il vous plaît. Je sors si tu m'as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pour rendez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Allez, sur Actu Matin, nos discussions s'ouvrent à partir de cet instant. C'est le forum. Bonjour André, Wahab, Hakimé, Hermoine Parfait à Niambousou. Trois sujets à aborder ce matin. D'abord, l'actualité, c'est la présidentielle à venir. Et d'ailleurs, les trois sujets que nous aborderons ce matin parleront de la présidentielle. On dira également un mot sur cette manifestation de colère à Kétou, un contrôle douanier de moto qui a donc tourné à l'affrontement entre douaniers et population. On va en parler en troisième position. D'abord, faisons un tour du côté de la Commission électorale nationale autonome. Hier, nous étions le 1er février 2021. L'ouverture du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle à venir. On a abordé le sujet en plateau. Herman Parfait, Aniambosu, oui, les premiers candidats à cette élection, nous les avons vus hier. Patrice Ago Simenou et Galiou Soglo qui ont déposé leur dossier. Ils ont reçu leur récépissé provisoire
leur participation à cette élection présidentielle. Alors, quelle perception avez-vous, Herman Aliamoussou, de ces deux candidatures, les deux premiers clients d'Emmanuel Tiano et son équipe? C'est vraiment de gros clients, à en croire un peu le compte-rendu qui nous a été fait. Et quand on suit un peu les propos de ceux dont vous avez cité les noms, parce que justement, en citant davantage leur nom, on leur fait de la publicité ce matin. C'est, je compte assez que c'est des personnes qui ont décidé d'aller ramer contre courant, de ne pas respecter les tests de la République, alors même que l'article 41 du Code électoral énumère le nombre de pièces à fournir pour être candidat à l'élection présidentielle. Beaucoup de pièces, ils ont décidé librement, et ils l'ont dit dans leurs propos, de se conformer à une disposition qui est devenue caduque au Bénin. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les prochaines fois, on puisse éviter de telles scènes à la Sénat. Est-ce qu'il faut installer quelque part une cabine qui étudie d'abord les dossiers, avant qu'il n'ait à la Sénat? C'est des questions parce que justement, on se rend compte au premier jour de dépôt des dossiers que des gens de la trempe de Olivier Larry et Gounoupé n'ont pas totalement disparu de la scène. Et Akibé Selou Ousseni, deux candidats à la Sénat. Oui, nous constatons qu'il y a deux candidatures qui ont été enregistrées à la Sénat parce qu'il n'a été dit nulle part qu'il faut avoir tous les éléments constitutifs du dossier avant de les déposer. Vous pouvez y aller à compte-gouttes. Vous faites enregistrer et la Sénat revient après la fermeture du délai de dépôt des dossiers de trancher de ce que votre dossier est recevable ou pas. Et donc ces deux candidats ont fait l'option d'aller déjà déposer les dossiers. C'est déjà tout intéressant que de savoir qu'ils ambitionnent à diriger le pays. Mais pour diriger ce pays, il faut bien de conditionnalité pour l'instant. Pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons eu, c'est qu'il y a des éléments importants, constitutifs, des dossiers de candidature que ces deux candidats n'ont pas. Oui. Et on les a entendus dire que pour eux, notamment le tout premier, Patrice Ago, que lui, son interprétation du parrainage, c'est que ce sont les honorables députés maires qui sont concernés par. Il a en fait sa compréhension de la question du parrainage et que lui se dit qu'il est indépendant et qu'il va donc à cette élection, pas en respectant, ou plutôt pas en étant contraint de respecter les dispositions en la matière. De toute la façon, la déposition de dossier. Un autre, plus averti des questions électorales, des questions politiques, parce qu'il a plusieurs fois élaboré à propos, c'est Gagné Soglo. Qui sait fils que, de l'ancien président. Exactement. Lui, il estime qu'il y a une loi fondamentale, du moins il y a un code électoral qui régissait la présidentielle. Et jusqu'à présent, pour lui, il n'y a pas eu... Il se conforme à la constitution de 1982. Il dit ce qui a été entendu. Je ne vous comprends pas, mais j'analyse. Oui, allez-y. Donc, lui, il fait l'option d'être respectueux d'une constitution qui a été modifiée. Et donc, il vient déposer le dossier. Et il n'est pas dit aux hommes de Emmanuel Tiando de renvoyer ceux qui amèneraient des dossiers incomplets. Il faut les prendre. Nous avons donc constaté qu'il y a deux candidatures qui ont été déposées, quitte à nous de les commenter comme on veut, bien entendu. Alors, et puis, juste après ça, le Sénat va trancher. Vous renvoie à deux titres ce matin, Wahab Ali Para. Vous avez d'ailleurs présenté la une des journaux. Le quotidien Fraternité qui parle des amuseurs de galerie. Et plus loin, le journal Le Matinal qui y voit des pagailleurs à la Sénat. Très bien. Vous venez, Christian, dans des gens de citer deux journaux, n'est-ce pas? Ça nous envoie à deux Patrice. Un premier Patrice avait, lors de sa tournée, annoncé que les élections présidentielles seront une fête. Et lors d'une fête, on a de ces artistes, de ces amuseurs de galerie qu'on appelle de manière à ce que cette fête soit agrémentée. Je me dis que ça fait partie des animateurs de cette fête et c'est eux qui, naturellement, ouvrent le bal
pour annoncer la couleur de la fête. Mmh. C'est comme ça, moi, j'interprète cela. Donc, un Patrice Ago, sous donc, le prénom de Patrice Talon, qui avait annoncé que les fêtes de l'élection présidentielle au Bénin sera une fête un peu comme ça l'a été par les élections présidentielles l'ont été par le passé. Et donc, on a quelqu'un qui sait faire de cantata, qui vient et qui dépose... Il faut quand même rappeler que lui, c'est un habitué de cette compétition. Il était à la Sénat en 2011 pour la présidentielle. Un habitué de ces fêtes. Oui. En 2011, il est venu déposer son dossier. On a eu les fêtes pendant les élections de 2011. En 2016 également. Bref, on a l'habitude de célébrer nos élections présidentielle au Bénin, un peu comme des fêtes. Et c'est ce à quoi nous assistons. Il y a également intéressant de faire un peu comme son père, n'est-ce pas? On ne voit pas souvent un cocotier produit de la mangue, etc. Mais l'enfant est beaucoup plus l'enfant de son temps, n'est-ce pas, que l'enfant de ses parents. En 90 et en 96, Nicéphore Dieudonné Soglo, père, donc, avait déposé ses dossiers en fonction de la constitution de 1990. Il se trouve que son fils s'en va déposer le dossier comme l'avait fait le père. Mais le fils n'a pas tenu compte des réalités de son temps. Les réalités de son temps, c'est la modification, bien entendu, qu'on a apportée à la constitution de 1990, à laquelle il est attaché, et conformément à cette ancienne constitution, n'est-ce pas, il est allé déposer ce dossier. Il s'agit jusque-là des prétendants au fauteuil présidentiel. Oui. On peut trouver tous les mécanismes qu'il faut. Ça n'empêche pas chacun de faire ce qu'il souhaite. Oui. C'est aussi ça, la démocratie. Par exemple, au niveau de la Sénat, vous pouvez aller déposer ne serait-ce que votre pièce d'identité comme votre dossier. La Sénat vous enregistre. Elle fera, la Commission électorale nationale autonome fera le point plus tard pour retenir les candidats qui remplissent les conditions et rejeter alors, les dossiers. Pour l'instant, les deux que nous avons sous la main, en tout cas qui sont allés à la Sénat, n'ont pas de parrain, n'ont pas de colistier. André Dossa, l'un qui dit que bon, qu'on ne peut pas le recaler trois fois et qu'il pense que cette fois-ci, eh bien, il sera parmi les candidats retenus. Et l'autre qui s'accroche à la constitution de 1990. La réforme du système partisan, apparemment, n'a pas pris part là. Non, il faut comprendre que aucune réforme ne peut abolir la plaisanterie, la clownerie, comme on peut le constater aujourd'hui. Vous savez, si on veut voir un peu le verre à moitié plein, on va considérer que, oui, ça participe aussi de cette fête, n'est-ce pas, l'élection présidentielle doit pouvoir être un moment de réjouissance aussi par ailleurs. Et vous savez, il faut un peu de tout pour faire un monde. Et on a besoin de déstresser. Ouais, et ces candidats nous offrent l'occasion justement de nous amuser. Vous avez vu comment les réseaux sociaux hier, c'était vraiment superbement bien animé. Voilà. Mais ce qui est préoccupant, c'est de voir une personnalité du rang, et si je veux le dire, de la classe de Galiou Soglo, dans ce rôle, le rôle de Thierry Majesty, de Olivier Larry et Goundoupé, de Ago Simenou, de voir un ancien ministre de la République, c'est-à-dire qu'il a joué de grands rôles dans le pays, qui plus est, fils de chef d'État, dans ce rôle d'amuseur de la galerie, c'est préoccupant. Mais là, vu sous un autre angle, on peut considérer que la candidature, c'est ce que vous faites rire, la candidature de Galiou Soglo, en fait, peut être considérée comme une candidature de protestation. En ce sens que il ne partage pas les réformes qui ont eu lieu, et n'ayant pas autre choix que de subir, et au moins il peut, puisque nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit, protester. Il profite de la tribune de la présidentielle pour s'exprimer. Le constat, le point commun entre ces deux candidats à mesure de la galerie, c'est qu'il y a une déconnexion à leur niveau d'avec la réalité. L'un dit que voilà, il est candidat indépendant
et qui donc il n'est pas astreint à cette obligation de parrainage, que ça concerne seulement les politiques, les députés. Et d'ailleurs, qu'il n'est pas question que l'on le recale une troisième fois, et il brandit à cet effet, n'est-ce pas, son logo, la photo la Vierge Marie. De la Vierge Marie, qui donc son logo, etc. Et sa base, son fief, c'est l'église catholique, la paroisse de Saint-Michel. Voilà. Une grosse croix au cou, par ailleurs. Je n'avais même pas observé la croix. Alors, plus dans les détails. Le second, qui est pour l'instant son challenger, Galiou Soglo, ça me fait mal de parler d'un ancien ministre de la République. En ces termes, lui, il dit, il considère toujours la Constitution de 1990. Ce n'est pas qu'il méconnaît qu'il y a eu une révision de la Constitution, mais il a choisi de vivre dans le passé, de vivre en marge de la réalité. Je crois que peut-être il faut... il passe un message, il profite de la tribune pour passer un message, mais ça ne fait pas toujours Une élection présidentielle, c'est quand même quelque chose de très sérieux dans une république. Pour une première journée de dépôt des dossiers de candidature, et qu'on assiste à ce genre... de scène, il l'a dit tout à l'heure, de la trempe de Galiou Soglo, un ancien ministre, quelqu'un qui a été, disons, au sommet, se retrouver dans, disons, cette atmosphère, dans cette ambiance, ça doit choquer. Bon, je ne veux pas être sentimentaliste. Je constate avec André que c'est certainement un signal, ou plutôt c'est des éléments d'appréciation de l'actualité qu'il est en train de faire constater à travers ce dépôt de candidature, parce que nul ici sur le plateau ne dira que le ministre Galiou Soglo ne sait pas qu'il y a eu retouche de la loi fondamentale. Personne ne dira ici que Galiou Soglo ne sait pas qu'entre-temps, il y a une réforme du système partisan et que le code électoral fait état de ce qui est bien pour prendre part aux élections présidentielles. Voilà bien des conditionnalités qu'il faut remplir. Le ministre Galiou Soglo, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, a élaboré sur cette actualité politique nationale. Et d'ailleurs, son point de vue, on le connaît. Et donc, en se déplaçant hier pour aller à la Sénat, c'est certainement pour dire, eh bien, nous avons certainement envie de nous présenter, mais nous ne sommes pas pour les nouveaux éléments qui participent de la participation à la présidentielle. Donc, comme l'a dit André, certainement une candidature de protestation. Mais bon, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autrement? La question reste tout entière. Parce que simplement, eh bien, il n'a pas été dit qu'en entrant à la Sénat, il faut forcément venir avec tous les dossiers. Il n'a pas été dit que si vous n'avez pas les dossiers, que vous venez, vous aurez 4 coups, 5 coups, 10 coups et consorts. C'est-à-dire, il n'y a aucune sanction qui accompagne le fait que nous ne sommes pas en règle vis-à-vis des éléments constitutifs de dossier pour le compte de la candidature de la présidentielle prochaine. Donc, libre cours. Il peut arriver que ce matin, Akimé suggère, tout au moins là, j'ai requis, que je débarque à la Sénat avec un bout de papier. Et que 3 jours. Exactement, pour me faire enregistrer, bien entendu. C'est que nous constatons que les deux qui sont allés déposer le dossier, non seulement ils refusent de savoir que les choses ont changé, mais c'est qu'ils y vont, vous voyez, il n'y a pas de colistier, il n'y a rien. Bref, quoi, c'est-à-dire, on va, bon, de toute façon, depuis hier jusqu'à ce matin, on parle de ces deux messieurs. Seulement que, comme l'a dit André, ça fait peut-être un peu choquant. Là, on va ressortir les ressentiments que le ministre Galiou Soglo se retrouve aussi, dans cette posture de quelqu'un qui va mettre un coup de poing le dossier tout en sachant que, eh bien, il ne remplirait pas les conditions pour prendre part à la présidentielle. Oui, Herman Agnamoussou. Oui, justement, quand il y a la réforme politique dans un pays et que vous n'êtes pas d'accord, le moyen de protester, ce n'est pas d'attendre qu'on veuille déposer les dossiers pour se foutre à la limite de ceux qui sont à la Commission nationale autonome. Et justement, j'en parle parce que je me dis, est-ce qu'il y a possibilité d'accueillir ceux-là en clan d'eau, de les traiter en clan d'eau et qu'ils retournent chez eux en clan d'eau, parce que justement, nous, hommes des médias, ne sommes pas là pour ces candidatures fantaisistes-là. Parce que justement, le problème ici, c'est que c'est les gens qui décident de foutre royalement au pied les tests qui ont été actualisés. Le code électoral, à son article 41, précise exactement les pièces qu'il faut fournir pour être candidat. C'est vrai que ça fait rire à la fois, mais ça énerve quand on sait que, justement, ce matin, on est assez beau parler de deux candidatures qui ne prospéreront jamais. Parce que le président de la Sénat... Ils peuvent se rattraper en complétant leur dossier. En fait, le problème, c'est ça. C'est que se rattraper en complétant... Et Akimé le dit, il l'a dit une première fois, il l'a répété. C'est vrai que les tests ne disent pas qu'il faut être en règle, qu'il faut déposer les dossiers comme ceci, et qu'on peut toujours faire le complément. Je suis d'accord, parce que les tests donnent 8 jours
pour corriger le dossier. Mais quand la personne qui dépose le dossier rappelle qu'elle l'a fait, avec, quand cette personne dit qu'elle l'a fait, en référence à un ancien test, ça veut dire que la personne délibérément a choisi de ne pas être conforme aux lois et aux règles. Donc je pense que c'est, que ce soit de la pagaille, amuseur de galerie, que ce soit des guignols, c'est Fraternité qui a fait un bon article, je pense qu'il faut le lire. Arnaud Doumaou, bien inspiré pour cet article-là. En fait, le deuxième axe de ma réflexion sur le sujet, qui amène à constater qu'il peut s'agir de la part, par exemple, de Galeux Soglo, d'une candidature de contestation, de protestation, me conduit à la même conclusion, une conclusion préoccupante, que le fait de voir un ancien ministre de la République, en fils de chef d'État, dans cette posture d'amuseur de la galerie. Parce qu'en fait, il a suffisamment élaboré, vous l'avez dit, sur la question donc de la révision de la Constitution. Nous savons très exactement ce que Galeux Soglo pense de cette réforme du système partisan et de la réforme des codes électoraux. Il a suffisamment fait dans les réseaux sociaux. Donc, il n'a plus rien de nouveau à nous dire. D'ailleurs, on l'a constaté hier. Et dès lors que vous n'avez rien de nouveau à dire sur la place publique, n'allez pas déranger, perturber les gens. C'est mon point de vue. Je pense qu'il aurait pu s'abstenir de s'afficher ainsi, donnant le sentiment, peut-être, enfin, amenant certains citoyens à douter un petit peu, à se poser des questions, en tout cas, à son sujet. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment, lui, surtout quand tu portes ce nom et que tu vas à la Sénat, le jour du dépôt de candidature, pour dire non, tu le fais en vertu d'une loi qui, au fond, ne régit plus l'élection. Je pense que si c'est qu'il a besoin de micro ou de caméra de télévision, il y a plusieurs manières de le faire. Et il y a plusieurs manières aujourd'hui de s'exprimer. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez préoccupant qu'un Galeux Soglo se présenta donc à la Sénat avec des dossiers incomplets, capable de payer la caution, pas de colistier, pas de parrain, et dit, j'ai entendu, je crois que c'est Hakimé qui a dit, que ces citoyens ont peut-être ambition de diriger le pays, mais ils n'ambitionnent pas de diriger le pays. Parce que Galeux Soglo, s'il ambitionne de diriger le Bénin, c'est pas au bout de 5 ans, il découvre le matin du dépôt de dossier que, attends, tiens, il y a un pays Bénin, bon, il y a possibilité de le diriger. Eh bien, je me mets à la Sénat. Moi, je suis vraiment préoccupé de voir un ancien ministre, un acteur politique, un acteur public de ce niveau-là, dans ce rôle d'amuseur de. Alors, on peut s'attendre à quoi? Nous avons encore 3 jours. Ah. Non, aujourd'hui, non. Demain et après-demain. Non, avec l'ouverture sous les, comment dire, des animaux de galerie, n'est-ce pas? On peut peut-être s'attendre à du sérieux, c'est-à-dire ceux-ci viennent annoncer les couleurs, un peu comme si vous avez un maître de cérémonie qui met donc les acteurs en place de manière à ce que les vrais invités, les invités de marque soient installés et que les bonnes choses et le programme de l'activité en question puissent bien se dérouler. Mais quand on met de côté le Patrice Ago en question, chez qui on a senti à travers son développement, n'est-ce pas, que d'une manière ou d'une autre, toutes les pièces ne sont pas à jour, ni dans ses dossiers, peut-être même chez lui-même en personne. Quand il faut se préoccuper du cas d'un Galeux Soglo qui a eu le mérite de diriger un portefeuille ministériel en République du Bénin. Vous vous imaginez qu'on puisse faire de celui-là un président de la République sous qui, n'est-ce pas, les tests de la République ne soient pas respectés? Parce que on a affaire à des tests votés, des lois, n'est-ce pas, votées pas des Béninois. Je rappelle encore une fois qu'on n'a pas fait appel aux voisins togolais ou bien aux voisins du Nigeria, Porto Novo étant un peu plus proche donc du Nigeria, qu'on n'a pas fait appel aux voisins du Nigeria pour être les députés et donc voter les lois qui nous ont amenés à faire face aux réalités donc liées au parrainage, à la modification de la Constitution et autres. Donc c'est dire quoi? Que quand vous êtes citoyen, quand vous êtes démocrate, quand vous avez eu cette chance d'être le fils d'un président, n'est-ce pas, le tout premier président de l'ère démocratique. Vous voyez, dans l'histoire du Bénin, ça reste, je dirais, indélébile. Mais quand vous venez, parce que vous êtes accroché à ce détail indélébile, vous venez poser un acte qui, tristement, restera indélébile dans l'histoire. Moi, je suis ce matin gêné, et sinon, depuis hier, gêné par
cette comédie, dont Magali Soglo est le principal acteur. Merci à vous, Akram. Quand il s'agit de comédie, on n'est pas gêné. On le prend en tant que tel. Je me rappelle ici quand on a reçu, je crois que c'était André, je ne me souviens pas qui, un certain Pascal Todini, dit quand les gens font dans l'irrationnel, il faut mener aussi un raisonnement irrationnel. Vous avez deux candidats qui, visiblement, quand on lit et quand on les entend, ce n'est pas deux candidats sérieux. Il faut les choisir en tant que tel. Donc, moi, ça ne me choque pas. Je constate que, bon, ils ont peut-être réussi à arracher des moments de rire à certaines personnes, peut-être mélancoliques, depuis hier. Et même ce matin, vous êtes en train de dire. Et même ce matin. On est en train de leur consacrer une bonne quinzaine de minutes hier ce matin. Ça fait déjà beaucoup. Non, mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand je présentais l'introduction de l'émission ce matin, quand j'ai fait un effort. Dans l'actualité, le relais, le traitement au niveau de l'ensemble des médias, au moins, les mots qui reviennent, les mots qu'on associe à ce tas-là, c'est plaisanterie, c'est clownerie, etc. Mais à leur décharge, il faut pouvoir dire que grâce à eux, on a des sujets. Et sûr, on en parle. Les gens en parlent, ça écrit partout. Ouais, mais il y a deux grosses parutions qui leur ont consacré la manchette. Gratuitement. Le quotidien le plus sérieux de la place. Et non, franchement, comme vous l'avez entendu dire, on ne va pas l'empêcher d'être candidat pour une troisième fois. Donc lui, il attend les rendez-vous 5 ans. Chaque 5 ans, il va, il dépose. J'imagine même ce qu'il y a dans le document. Ce serait un scandale si on lui barre la route. La voix, le troisième parce qu'il brandit la vieille Marie. Attention aux représailles. Mais pour la caution, il dit qu'il attend qu'on valide d'abord son dossier avant qu'il aille payer. Et qui sait que c'est son Dieu qui le parraine. S'il accepte, qu'on le recale, il va accepter. Ce sont Dieu représentés par la vieille Marie. On va évoluer. L'actualité. Aussi, quand il a dit sérieux aussi, il pose vite les dossiers. Voilà pour nous tourner cette page-là. Je sais que El Farouz m'a annoncé sur nos plateaux que ça devrait être aujourd'hui pour les forces coréennes pour Bénin émergent. D'accord. On va voir. Il y a d'autres dont on ignore encore les partis, dont on ignore encore les candidats. Exactement. On va voir. Ils ont eu un calendrier, tout compte fait. C'est jusqu'au juillet. Plusieurs noms, c'est que. La question qu'on peut se poser à la fin, c'est de savoir s'il est possible d'essayer des sanctions dans ces tests-là pour quiconque veut bien délibérément. C'est pas remettre en cause des tests de la République parce que quand vous le faites ailleurs, vous êtes puni. Voilà. C'est aussi une question. Pour comprendre les personnes et les personnalités à respecter. Tout à fait. Les lois de la République. On ne peut pas tout régir. On ne peut pas tout régir non plus. On ne peut pas tout régir. Il y a déjà fait confiance aux grandes qualités morales des uns et des autres pour que ce qu'on n'a pas pu régir, que ça soit de façon tacite, que l'on comprenne et qu'on respecte. Voilà. Le Bénin, en 2021, testera son processus démocratique une nouvelle fois lors de l'élection présidentielle. C'est par cette phrase qu'il a démarré donc sa réflexion, une tribune de Dr Malick Seydou Gominan, en cette période cruciale qui nous mène vers la présidentielle du 11 avril. Oui, Hakimé Seydou Ousseni, une voix, un parrain. Qui aborde donc cette élection par cette réflexion. Quelle analyse faites-vous de cela? Non, Malick Seydou Gominan, je constate qu'il n'a pas encore signé le désamour d'avec la plume. Et quand vous lisez la tribune, vous rendez compte que il y a bien d'éléments qui sous-tendent cette réflexion. D'abord, pourquoi le parrainage et qu'est-ce qui motive le parrainage, à qui on donne le parrainage et pourquoi est-ce qu'on donne le parrainage. Et vous avez constaté qu'il a fait rappeler que pour une première fois dans l'histoire démocratique de notre pays, les élus, qu'ils soient élus communaux ou encore élus du peuple, ils ont la lourde responsabilité, je dirais, de prendre une part active dans le filtre et le choix de celui-là qui aura l'occasion de diriger notre pays pour les 5 prochaines années. Et il a dit de façon précise, il est le maire de la commune de Djougou. Il ambitionne beaucoup de choses pour la commune de Djougou. Et il estime que les moyens dont il a besoin pour pouvoir faire décoller Djougou viennent non seulement, je dirais, de la commune de Djougou, mais ça vient également du pouvoir central. Et donc, en tant que tel, objectant de voir ses concitoyens vivre dans des conditions plus optimales, objectant de faire telle sorte qu'après les 6 ans de gestion de la commune de Djougou, qu'on puisse retenir qu'un fils nommé Malick Seydou Gominan est passé par là,
Il pense que eh bien, son parrainage doit aller vers celui avec qui il partage les mêmes visions pour les populations de la commune de Djougou. Et en l'état, eh bien, comme vous l'avez bien lu, il a apporté, je dirais, tous les éléments qui concourent au choix qu'il a fait. Je pense en réalité qu'il ne s'agira pas de parrainer pour parrainer. Il faut parrainer parce qu'en retour, eh bien, on sait ce qu'on attend en se mettant dans une posture de parrain. Et c'est ce que Malick Sebou Gomine a fait. Ce n'est pas les parrains, ce n'est pas un parrainage pour un parrainage. Il motive le parrainage et il prend son peuple. Parce que là, il se comporte comme, je dirais, un envoyé de la commune de Djougou vers celui qu'il est en train de parrainer. Eh bien, je viens vers vous parce que la population de Djougou attend ça, attend ci, attend ça. Et on estime que quand vous serez là, eh bien, vous saurez participer au décollage de la commune de Djougou. Je crois que c'est très intéressant comme réflexion, analyse faite par le maire de la commune de Djougou, Malick Sebou Gomine. Oui, la responsabilité de parrainer, ces explications qu'il a apportées à ce système que nous sommes en train d'expérimenter à partir de cette élection présidentielle, Herman Parfait à Niamoussou, on a suffisamment élaboré là-dessus et qu'un élu, un parrain, vienne donner des explications à ses mandants, à toute la population béninoise. Je pense que c'est ce dont nous avons véritablement besoin pour faire comprendre la réforme. Oui, Malick Gomine, maire de Djougou, a d'abord fait un petit bilan de ce dont a pu bénéficier sa ville, la ville de Djougou, au titre du programme d'action du gouvernement. Et il finit sa tribune en disant « Notre commune veut bénéficier des dividendes du programme d'action du gouvernement. » Ça veut dire qu'en réalité, il faut faire le point qui consiste à, par exemple, énumérer, sans être exhaustif, hein, la construction d'un stade en cours, d'un stade omnisport de 3000 places aux normes, aux standards internationaux, la construction d'un marché moderne dont le coût est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, la réhabilitation et le redimensionnement du château d'eau dont la capacité est passée désormais à 200 mm cubes l'heure. Et n'oubliez pas que la ville de Djougou, pendant longtemps, nous a fait vivre des scènes douloureuses de manque d'eau potable, de manque de scie. Ça veut dire que c'est un maire qui prend à cœur les préoccupations de ses mandants et qui dit, pour un parrainage responsable, je décide d'accorder ma signature à Patrice Talon. Il a dit dans la tribune. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas se lever pour parrainer n'importe qui, pour parrainer n'importe comment. Il faut savoir ce dont a besoin sa localité, sa commune, afin de faire un parrainage responsable. Je pense que c'est tout à son actif. Et puis bon, il faut souhaiter que d'autres parrains puissent également agir pour le compte de leur population et non agir pour le compte personnel. Oui. André. Oui, vous savez, nos acteurs publics souvent pêchent par le manque de clarté dans leur démarche, dans les choix, les options qui sont faites par les uns et les autres. Ici, on parle d'une nouvelle expérience, le parrainage des candidats à la candidature à la présidentielle. Ça renforce le mécanisme de choix de notre président de la République. Et il ne faut pas parrainer pour parrainer. Lui, il choisit, Malick Gomine, d'expliquer sa démarche de parrainage. Pourquoi il parraine? Pourquoi il porte son choix sur le chef de l'État? Ça ne veut pas dire que les autres candidats, les autres parrains qui ont choisi d'autres, ont mal agi, pas du tout. Il faut pouvoir expliquer. Il faut pouvoir informer, renseigner suffisamment les populations des choix que vous opérez. Et dans le cas d'espèce, en tant que maire de Djougou, il représente, n'est-ce pas, les aspirations de la population de Djougou. C'est en vertu de ça qu'il participe au filtre donc de candidature pour la présidentielle. Et pourtant, son choix sur Patrice Talon, par exemple, il fait toujours preuve de ce réalisme-là qui le caractérise. Il fait le bilan du chef de l'État. J'ai notamment apprécié cet aspect du bilan de Patrice Talon qui nous sort des chiffres, tel nombre de routes, tel asphaltage, ou bien l'électricité, etc. C'est un bilan, ma foi, qu'il considère d'ailleurs comme le vrai, le meilleur bilan de Talon, qui est un bilan immatériel. C'est-à-dire quoi? C'est la nouvelle donne dans la gouvernance, le nouveau modèle de gouvernance qui s'élève ce leadership fondateur qui caractérise Patrice Talon, ce leadership transformateur, voyez, qui pense qu'aujourd'hui, il y a une vision claire de développement de notre pays, des voies et moyens, de ce qu'il faut faire pour développer le pays. Et ça a induit un nouvel état d'esprit dans le pays. Ouais, c'est ça, il met beaucoup plus l'accent sur ça pour motiver son parrainage, son choix de parrainer le chef de l'État. Je crois que c'est très important. Il faut souhaiter que davantage les acteurs publics nous offrent cette clarté-là dans leur démarche, dans leur façon de fonctionner. Et on va souhaiter qu'en tant que maire de Djougou, son espérance en cette victoire de Patrice Talon qui va induire
n'est-ce pas, un développement de sa commune. Vous savez, si Diogo bénéficie d'un certain nombre de projets, de programmes d'action, de programmes et donc de réalisation, ce sera ça, sous sa houlette, lui. Ce sera son leadership en tant que maire, du coup, qui aura permis à cette ville d'avoir un meilleur visage. Parce qu'en tant que troisième ville du pays, en tout cas en termes donc, de population, elle est une ville extrêmement piteuse, enfin, guillemets, du point de vue de l'assainissement, du développement, n'est-ce pas, de l'urbanisme. Oui, voilà. Non, je constate que le maire de Djougou, Malik Seibou Gomina, en prenant service, je crois, en tout cas, à son installation, juillet 2020, aussi bien en français qu'en langue, il avait reconnu que oui, ses populations l'ont élu, l'ont désigné pour diriger la cité des Pinzé, mais il se trouve que le travail doit se faire avec les populations, que le résultat de modernisation de la ville, de rehausser, de mettre la lumière pour une visibilité de la commune de Djougou, tout cela doit se faire avec la contribution des populations. À ces populations, on constate que Malik Gomina a pris l'habitude de rendre compte. On avait noté un exercice de reddition de comptes à plusieurs reprises et encore une fois pour le compte du parrainage où le constituant dérivé, n'est-ce pas, à accorder ce pouvoir aux parrains et donc c'est descendu au niveau des maires. Malik Gomina a vu, n'est-ce pas, a pris en lui l'idée ou le devoir de rendre compte aussi bien à ses populations de Djougou, à ses administrés de Djougou, qu'à tous les Béninois. Pourquoi il faut parrainer et comment parrainer? Qu'est-ce qui justifie le parrainage, la signature qu'il aurait à poser sur le formulaire de parrainage et à qui? Pourquoi? Vous voyez? Donc, ce sont les raisons qui ont motivé ce parrainage qu'il tente d'une manière ou d'une autre d'expliquer à ces populations. Djougou parraine Patrice Talon, qui est candidat à sa propre succession. Parce que Djougou veut bénéficier des dividendes du programme d'action du gouvernement. La ville de Djougou, inscrite comme troisième ville la plus peuplée du Bénin, n'est pas celle-là qui a bénéficié de la grande attention du régime en place. Ça, il faut le reconnaître. Mais les choses ont été faites et il faut que cela se poursuive dans la ville de Djougou. Djougou. On opte à Djougou pour la continuité, de manière à ce que les différents projets que Djougou attendent puissent être concrétisés. Je pense qu'en des termes plus simples, c'est ce que Malik Gomina a voulu dire. On peut aussi retenir de cette tribune que Patrice Talon, lors de sa tournée, a promis faire de cette ville une ville industrielle. Je pense que c'est également un des éléments qui, sans doute, fonde le soutien de Patrice Talon, de Malik Gomina à Patrice Talon pour candidat à sa succession. Et vous constatez qu'au-delà de la tribune qui fonde, je dirais, les raisons, les tenants aboutissants du choix de parrainer Patrice Talon, il y a même que les femmes de Djougou, et vous l'avez vu hier sur le portail qui a été proposé par le bureau régional de Djougou, que les femmes de Djougou elles-mêmes approuvent non seulement la candidature de Patrice Talon, mais également, elles soutiennent le fait que bien, le colistier ou la colistière soit Mariam Talata. Ça veut dire en réalité qu'au-delà de Malik, il y a aussi une partie importante de la commune de Djougou qui accompagne, je dirais, cette vision de Malik Gomina de parrainer le président Patrice Talon. Et l'autre élément qui ne manque pas de pertinence, c'est que bien, Djougou, et à travers la force que le groupe Mbéné émergent, présentera un fils à la présidentielle prochaine. Mm. Et donc un challenge, exactement. Et donc, il faut appeler ça de vue. Mm-hmm. Et je pense que Malik et Seibou Gomina a la lourde responsabilité de travailler à ce que bien les 5 prochaines années soient bénéfiques pour la commune de Djougou. Parce que, bien entendu, pour que ça décolle, il a besoin de soutien. Comme il a dit, non seulement les ressources de Djougou, mais aussi les ressources du pouvoir central. Et voilà, on va passer maintenant au dernier sujet de ce matin. Oui, il y a eu cette opération de la douane, c'était hier à Kétou, qui a tourné donc à un affrontement entre douaniers et policiers. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, nous avons lu qu'il y a eu beaucoup de morts. Il n'en est rien, il n'y a pas eu de morts, mais des blessés graves. Oui, des blessés graves lors de cet affrontement entre population et douaniers à Kétou, si on s'en tient au compte rendu
que nous avons eu. On nous apprend, n'est-ce pas? Et au propos de Madame la maire. Madame la maire, je crois, Lucie, c'est nous, n'est-ce pas? On nous apprend que c'est un contrôle douanier sur des motos, à l'effet donc de vérifier la douane de ces engins. Celles qui étaient en situation irrégulière, des motos donc en situation irrégulière, auraient été saisies et embarquées au niveau du poste douanier. Mais cela n'a pas plu à certaines populations et elles se sont armées de gourdins, de machettes et autres pour rentrer pour, comment dire, au niveau donc de ce poste douanier pour retirer de force les engins. C'est là que la situation a dégénéré et on a noté des blessés. Moi, je constate qu'il s'agit d'un cas d'indiscipline de la part des populations. Parce que quand vos engins ne sont pas en règle, c'est votre faute. Il y a des moyens pour régulariser cela. Et donc, on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas, les forces de l'ordre, les douaniers, les paramilitaires et autres de faire leur travail. Si c'était une opération irrégulière, on pourrait comprendre. Donc, et puis, il y a des démarches. S'il faut un mea culpa et autres, moi, je pense qu'on aurait pu gérer la situation de manière plus calme. On note également que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que de pareils incidents entre population et douaniers se note et il faut éviter qu'on arrive au pied. Voilà. Okay. Moi, j'aurais espéré que Madame le maire, c'est pas démenti, ce n'est pas appelé ou apporter la preuve qu'il n'y a pas de mort qui importe, non. Mais c'est qu'elle doit s'inquiéter de ce qui est bien, que tout s'illustre négativement. Ce n'est pas la première fois que la commune de Koutou, elle n'est pas hors du Bénin. Elle est dans la République. La République a des règles et a des exigences. Les populations de Koutou ne sont pas des populations à part entière. Elles appartiennent à une République. Ce n'est pas la première fois, comme l'a dit Wahab, que nous assistons à des scènes bizarres au niveau de la commune de Koutou. On a l'impression que les personnes de Djougou pensent qu'elles... Les personnes de Koutou, elles pensent qu'elles peuvent, c'est-à-dire c'est un no man's land, elles font ce qu'elles veulent. Non, ce n'est pas possible. Il va falloir que le maire, les autorités religieuses de la commune de Koutou puissent prendre leurs responsabilités. Ça fait déjà la énième fois qu'on parle d'affrontement entre les populations de Koutou et les forces de l'ordre ou avec les douaniers. Soit ce sont les véhicules des douaniers qui sont brûlés, sinon je ne comprends pas. Vous êtes en situation, que vous ayez raison ou pas, il y a une démarche normal qu'il faut pouvoir respecter. Ce n'est pas possible que les populations s'en prennent aux institutions, aux symboles de la République, parce que c'est un symbole, la douane béninoise. Donc, franchement, je pense que la mairie de Koutou a plutôt intérêt à travailler à remettre les populations de Koutou dans les rangs, parce que ce qui m'embête, moi, c'est que à Koutou, l'autorité, il y a une autorité religieuse qui est un ancien disciple de Saint-Mathieu. À Koutou, il y a une autorité religieuse, une autorité morale qui est un ancien disciple de Saint-Mathieu, qui doit pouvoir au moins, exactement, qui doit pouvoir participer à au moins à faire comprendre aux populations les raisons ou la manière dont ça se passe au niveau de ce corps-là. Malheureusement, j'ai l'impression, et pour les indiscrétions, c'est que visiblement les populations sont épaulées par certaines autorités de la commune de Koutou. Il va falloir que ça cesse. C'est-à-dire que il faut que les personnes les plus averties, que si c'est le ministre de la Défense, le préfet et consorts, qu'on aille rappeler aux populations de Koutou qu'elles ne sont pas hors de notre pays. Elles ne peuvent pas donner l'impression qu'elles vont marcher comme elles veulent. Il y a que le monopole de la violence. Pas du tout, mais alors il faut que ça cesse. Vous connaissez cette affaire-là. Je pense qu'il faut relativiser un peu. Ce n'est pas certainement la population de Koutou qu'il fait. Il y a des individus, sans doute, qui s'illustrent. Qui font partie de la population. Voilà. Il y a sans doute des citoyens à Koutou valeureux qui, n'est-ce pas, se battent et respectent scrupuleusement les lois de la République. Mais il y a quelques canards boiteux dedans qui font ça donne à ces gens de pratiques. Vous voyez, on ne doit pas s'attaquer au symbole de la République.
que ce soit la douane, les forces de sécurité publique, sont des symboles de l'État qu'il faut respecter. Il peut y avoir parfois des bavures, il peut y avoir parfois des erreurs, mais nous avons des tests de la République et il y a plusieurs manières de, n'est-ce pas, de se faire rendre donc, justice. Nous, on a le droit de se faire justice et en s'en prenant, donc, comme ça a été le cas, à des symboles de la République. Il faut que les autorités, comme l'a dit Hakimé, prennent leur responsabilité. Il faut que le maire déjà de cette ville vraiment prenne les taureaux par les cornes, qu'on essaie d'identifier les foyers, la catégorie de citoyens qui, à ce point, ternissent l'image de la ville. Et les autorités religieuses également, interpellées par Hakimé, je crois que c'est tout à fait pertinent. Il faut qu'on mette fin à cette spirale de violence parce qu'il y a des individus qui ne veulent pas se conformer aux règles qui régissent la vie en société. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et ça ne sert à rien que l'on soit là tout le temps à constater ces affrontements-là où l'on... Vous imaginez, vous prenez des goudins, vous prenez d'assaut une garnison ou bien un poste de douane. C'est extraordinaire. Nous sommes en 2021. C'est inimaginable de mon point de vue que ces actes soient encore en train de se produire dans notre pays. Il faut que les uns et les autres jouent leur rôle et surtout qu'on sensibilise et éduque les populations. Oui, Herman, moi dit. Juste rappeler que nul n'a le droit de se faire justice. C'est vrai que c'est un dossier qui met qui tout dans de très beaux draps. Je pense que ce n'est pas bien. Il faut que chaque acteur puisse jouer sa partition afin qu'on ne puisse plus assister à ces genres de situations à la limite bizarres entre populations. Quand une population, c'est vrai, quand la tomate est gâtée, c'est tout le panier. On parle aujourd'hui de Kétou. Que le maire joue sa partition, la maire, pardon, joue sa partition, les autorités morales de la localité jouent également leur partition pour qu'on n'assiste plus à ce genre de situation. Kétou n'est pas hors du Bénin, c'est le Bénin, et il y a des tests qui résistent de tel fonctionnement, de tel contrôle. Il faut qu'on applique ces tests simplement. Merci à vous, Herman, André, Wahab et Hakimé, pour nos échanges de ce matin. On va revenir à l'actualité politique avec cette animation à Djougou. Eh bien, les femmes qui disent oui au duo constitué par le chef de l'État, Patrice Talon, candidat à sa propre succession, et Madame Chabi Zimé Talata. Je reçois en plateau Mohamed Nazif Moutawakilou, il est acteur politique et membre du bloc républicain, un très jeune animateur politique du côté de Djougou, pour nous en parler. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, le plateau de l'invité sur Actu Matin, Mohamed Nazif Moutawakilou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes acteur politique, vous venez de Djougou, il y a eu de l'ambiance, de l'animation, c'était le dimanche. Absolument. Les femmes qui se réjouissent du duo constitué par Patrice Talon et Madame Talata. Pourquoi? Ah ouais, vous savez, les femmes de Djougou sont maintenant émancipées. Elles suivent tous les jours ce qui se passe à travers le monde. Mmh.
quand vous voyez en Allemagne, Madame Angela Merkel fait des merveilles depuis un certain nombre d'années. Il y a de quoi à ce que des femmes commencent par aussi se dire au Bénin, si on a la chance de gérer, il faudrait la saisir. Alors les nôtres à Djougou, très organisés, ont voulu vraiment dire leur soutien au président de la République qui a fait un choix de vice-présidente en la personne de Madame Talata. Ouais. C'est une première depuis l'annonce, enfin, pas encore officielle de toute façon, du choix de Madame Talata comme colistière du chef de l'État. C'est la première fois qu'il y a une telle réaction et ça vient de la femme de Djougou, des femmes de Djougou. Pourquoi des femmes de Djougou devraient-elles donc se réjouir pour le choix d'une femme d'une autre localité, notamment la 8e circonscription électorale? Oui, c'est une maturité politique. Vous savez, depuis 1960, ce sont des hommes qui gèrent l'État. Ce sont des hommes qui sont replacés dans la machine de l'État. Et pour une fois qu'une femme est désignée, elles se sont dit, voilà, il faut saisir l'occasion. Il faut d'abord dire merci au président de la République qui a porté son choix sur une femme. Et c'est une première depuis 1960 dans notre pays. Et cela aussi dénote du fait que la démocratie est en train de prendre un autre envol, où maintenant c'est les femmes qui sont les plus nombreuses, commencent par se dire la politique aussi c'est notre affaire et il faudrait jouer les premiers rôles. Et à Djougou aujourd'hui, à l'avènement, disons, de cette génération de politique, les femmes sont très organisées. Vous voyez, de façon spontanée, elles se sont décidées à se mettre ensemble, tous partis politiques confondus. Vous verrez des femmes de l'UP, vous verrez des femmes de l'UDBN, tous ensemble, ont organisé du BR aussi, bien évidemment. Du BR, bien évidemment. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'elles ne vont pas un petit peu trop vite en besogne? Patrice Talon ne s'est pas montré particulièrement friand de la promotion du genre dans son action. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont servi à ses côtés. C'est vrai, ils viennent choisir une colistière et on voit que les femmes se réjouissent. Est-ce qu'elles ne vont pas un peu trop vite en besogne? Non, pas du tout. Je crois que ce sont ces femmes-là qui, maintenant, vont encourager. Le chef de l'État a désormais dit il faut des femmes à de repos. Il faut vraiment donner aux femmes leur vrai, leur véritable place. La femme béninoise, elle doit être respectée. Et les femmes de la commune de Djougou l'ont compris et se sont mis à l'œuvre pour vraiment encourager le chef de l'État, Patrice Talon, à faire la promotion de la femme. Nous croyons qu'elles ont donné un top et que toutes les femmes en République du Bénin doivent aller dans le même sens. Voilà. Vous savez, du coup, s'il s'agit de femmes de différentes formations politiques de Djougou, l'Union progressiste, l'UDBN, le Bloc républicain, mais il est difficile, en suivant le compte-rendu de cet événement, de ne pas lire ou voir la main du docteur Malick Sehibou Gomina derrière cette manifestation. Sont-elles également, à travers cette célébration du choix de Mme Talata, en train de mettre la pression sur leur maire pour qu'à son tour également, ils puissent faire davantage de la place à la femme? Mais bon, c'est normal. Et vous savez, le docteur Malick Sehibou Gomina est notre nouvelle coqueluche au niveau de la commune de Djougou et qui s'investit au jour le jour moralement et aussi dans la vie civile. Il est au contact avec les populations. Donc quand il y a une initiative qui va dans le sens d'encourager le chef de l'État, c'est normal que les femmes aillent le voir pour lui dire, bon, monsieur le maire, nous voulons organiser tel événement. Bon, en tant que d'abord fils de la localité et qui s'investit aux côtés des populations, et mieux en tant qu'autorité, chez qui les populations, qu'elles soient femmes ou pas, doivent aller chercher le quitus, c'est-à-dire l'autorisation, avant de manifester. Donc vous voyez, à double titre, le docteur Malick Gomina doit être sollicité dans un tel événement, ce qui est tout à fait normal. Quand c'est bien, il faut accompagner. Et même avant qu'il ne soit dans l'arène politique, il avait déjà l'habitude d'accompagner les femmes dans tous les sens, hein, les hommes aussi, les jeunes. Donc ça, c'est un exercice auquel il est déjà habitué depuis
fort longtemps. Et puis, parlant d'exercice, il y a notamment un qui l'a fait cette semaine, c'est cette tribune qu'il publie pour expliquer le parrainage, la responsabilité de parrainer, et notamment pourquoi son choix sur la personne donc, du chef de l'État, le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession. Vous avez sans doute, vous êtes lié, vous êtes informé, vous connaissez, vous savez pourquoi. Alors, dites-nous, pourquoi a-t-il eu besoin d'expliquer sa démarche? Bon, je crois que c'est un monsieur assez responsable et qui souvent, quand il fait un choix, il a toujours les arguments qui fondent le choix. Et vous savez, lors des tournées de réduction de comptes, les populations de Djougou ont accueilli le chef de l'État de façon particulière. Donc ça se lit très aisément. Et là, partant de là, les populations, quand ils ont écouté le chef de l'État, ils se sont dit: désormais, nous savons qui soutenir. Alors là, un pacte est signé à partir de cette réduction de comptes. Et les populations commençaient par dire à Monsieur le maire, s'il y a parrainage, vous devez parrainer le président Patrice Talon. Et il y a aussi un fait ou un phénomène que les gens ne touchent pas de doigt, c'est que le maire est en contact avec les populations. Vous le verrez avec les imams, les prêtres. Vous le verrez avec la jeunesse, et même sur les réseaux sociaux. Et il est toujours dans un échange interactif entre lui et les populations. J'ai suivi, par exemple, des jeunes qui lui ont dit, qui se sont déplacés pour aller le voir pour lui dire, vous parrainez le chef de l'État. Dans un premier temps, moi, je n'avais pas pris ça au sérieux. Après, c'est sur les réseaux sociaux où on lui dit, vous devrez parrainer le chef de l'État. Là, maintenant, nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que le chef de l'État vous a écouté lors de son passage à Djougou et que ils espèrent que le chef de l'État essaie de regarder mieux Djougou dans son deuxième mandat. Voilà. D'accord. Une dernière ou c'est fini? Vous savez, c'est difficile de poser des questions compte tenu de cette décision de la RAC. On ne va pas prendre de risque. Voilà. Je crois que. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous, André. Merci d'être passé sur ce plateau. Mohamed Nazif Moukilou, vous repartez à Djougou? Absolument, tout à l'heure. D'accord, vous ferez un bon voyage. Merci beaucoup. Eh bien, on va vous raccompagner avec le magazine Métier de la semaine de Wouliat Sanoussi qui, ce matin, nous emmène à la découverte d'un monsieur qui, lui, fait dans la fabrication des pots de fleurs. Il y apporte une touche particulière par sa manière de faire son travail. Il s'agit bien de Souleymane Malik Tidjani, qui a une passion très poussée, très développée depuis des années. On vous propose de suivre ici comment il procède, d'où lui vient son inspiration et quel est le matériel qu'il utilise pour la fabrication de ses pots de fleurs. Ce magazine est signé Ouliad Sanoussi. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Des pots de fleurs de diverses formes réalisés d'une manière particulière avec du ciment, de l'eau et autres. Ce sont des chefs-d'œuvre de l'artiste Souleymane Malik Tidjani. J'utilise la plupart du temps des produits simples terre à terre, à savoir un peu de ciment de chenille,
Donc, nous mesurons un peu la quantité à vue d'œil afin de savoir ce qui pourra nous suffire. Donc, après cela, j'ajoute un tout petit peu d'eau. Un petit peu d'eau que je dose de façon. Voilà. Voilà. Donc, au fur et à mesure que j'ajoute l'eau, je regarde à peu près la manière dont le mélange se fait. Il ne faudrait pas que ce soit trop fluide aussi. Donc, il se remue jusqu'à avoir un mélange homogène. Le processus pour réaliser un pot de fleurs ne dure pas, mais il faut attendre 2 jours pour le séchage avant de passer à la finition. Voilà. Voilà. Oui, directement. Souleymane Malik Tidjani est passionné de son art. Cela fait plus d'une vingtaine d'années qu'il vit de ça. En réalité, je ne faisais pas du tout ce genre de métier. J'étais plus dans les réalisations de toiles, de tableaux et autres. Mais bon, on a remarqué que les tableaux et tout le reste ne coulent pas ici. Donc en descendant encore à l'intérieur, je me suis dit, bon, il y en a qui aiment les bonnes choses, les fleurs. Les pots de fleurs, pourquoi ne pas améliorer la nature des pots aussi, afin de les faire des objets de décoration. Donc c'est de là que c'est parti. Je me suis dit, bon, si nous avons déjà l'habitude d'utiliser le ciment pour en faire des meules, pour en faire des briques, ça se solidifie. Donc forcément qu'avec un peu d'ingéniosité, on peut arriver à manipuler cette fameuse poudre-là. On peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire des reliefs sur les murs, on peut faire beaucoup de choses avec cette poudre-là. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est parti. Et surtout, c'est les coups d'œil à côté, parce que très souvent, quand tu vas dans les restaurants, on remarque que, bon, on a quand même envie de gagner les espaces avec un peu de fleurs. Et souvent, c'est des pots de fleurs de forme carrée qu'on retrouve souvent, ou bien de forme... voilà. Donc, avec ceci, on a quand même la possibilité de donner beaucoup de relief, de donner beaucoup de style, et beaucoup de formes et tout le reste. L'artiste confie n'avoir suivi aucune formation dans le domaine. Et pour ce qui est des études, il n'a pas beaucoup évolué. C'est un don. Moi, je n'ai jamais rien appris de ce que je fais. Donc, tout ce que je réalise, c'est un don, c'est le coup d'œil. C'est peut-être en sortant, en voyant d'autres faire. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. J'étais parti au départ pour être transitaire. Il n'y a pas de métier qu'on appelle transitaire, pour être déclaré en douane. Et par la suite, comme... avec le temps, ça ne marchait pas. J'ai dû faire l'informatique, j'ai fait la maintenance en informatique. Et comme on le dit souvent, c'est la nature elle-même qui se charge de nous mettre sur notre planche. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti dans l'art. Et mon amour pour les fleurs, c'était inné. J'aime les arroser, j'aime les couleurs. Voilà. Au niveau école, je ne vais pas dire que je suis allé trop loin. Je me suis arrêté en classe de 3e. Et voilà, donc après ça, je me suis cultivé moi-même. Non, je n'ai pas eu la chance d'avoir le BPC parce que papa étant déflatté depuis les confins 87, on est 6, sa force ne pouvant pas subvenir à tout le monde. Donc voilà, il y en a qui ont été priorisés, il y en a qui ont été obligés de se chercher, comme moi. Installé ici au quartier Roulacomé, dans l'arrondissement de Godomé, ces bacs à fleurs, comme ils les appellent, sont bien appréciés par les clients. Oui, ça, il faut le dire, les clients, ils apprécient. Ils apprécient beaucoup, mais la plupart du temps, à vue d'œil, quand ils se rapprochent,
Ils pensent que c'est un truc qui coûte extrêmement cher, alors que non, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut en avoir. Il y en a de tout acabit. Il y en a de petits, il y en a de moyens, il y en a de vas-y, on peut en faire même de taille. Voilà. Donc, on peut aussi essayer d'imiter, on peut aussi en faire des vases. Pour Souleymane Malik Tidjani, partager le savoir est une vertu. Vous savez, tout artiste a envie de relayer ce qu'il fait. Parce qu'il faut quand même partager. Il ne faut pas tout emmener, il faut toujours partager. Et c'est pour ça, souvent, quand je travaille, j'appelle souvent les gens. Viens, fais-moi ci. Je mets un coup de pinceau ici, fais ci, fais ça. Donc, il y en a qui sont curieuses aussi. Ici, il y a aussi des femmes qui cherchent à venir apprendre. Il y en a qui sont venues apprendre, des femmes qui passaient, du coup, qui m'ont demandé où je vais apprendre. Et je leur ai appris. Je suis même allé chez elles dans leurs essais pour les motiver à sceller dans la culture. Tout au moins, on dira, c'est telle personne qui m'a. Les difficultés ne manquent pas dans le métier, reconnaît Souleymane Malik Tidjani. Les difficultés sont vraiment énormes. Les difficultés, d'abord, il n'y a pas de soutien. Et quand même, tu as envie de réaliser sur beaucoup de... quand même, tu as envie de faire beaucoup de choses, l'argent pour investir en achetant la matière première. Vous avez remarqué, puisque la plupart du temps, ce n'est pas de cette manière que je le peins. Mais pour les peindre aussi, puisque la peinture aussi, ça prend de l'investissement. Puisque la peinture pour ces pots, soit c'est des baumes, soit c'est des peintures qu'on utilise, pas des peintures à huile, puisque la peinture à huile, avec le temps, ça va s'effriter. Donc on utilise des peintures de support de voiture. Et voilà. Donc c'est des peintures qui coûtent un peu cher. Couleur or, couleur argent, comme ceci. Voilà. Et en dehors de cela, les difficultés pour l'écoulement. Monsieur l'écoulement, vous voyez la zone dans laquelle je suis, ce n'est pas une zone qui est appropriée pour ce genre de métier. Et normalement, si le gouvernement devait se pencher, nous qui sommes artistes du genre, il faut nous aider. Monsieur les hôtels doivent nous encourager. Malgré ces difficultés, l'artiste a des ambitions pour le métier grâce auquel il arrive à s'épanouir. Tout le monde est ambitieux. Mes ambitions, c'est d'exceller dans ce que je fais. Parce que comme Martin Luther King l'a dit, il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien ce que je fais. Et j'espère quand même que ça m'amène loin. Je veux faire des expositions à l'international. Ça me plaît aussi bien. Il y en a qui ne font pas autant, mais qui sont bien connus. Mais moi, je suis connu à l'international. Il y en a qui viennent quand même acheter chez moi. Un centre de formation, surtout pour les jeunes désolés. Parce que moi-même, j'ai connu la galère, comme on le dit souvent, j'ai connu la galère. Comme je vous l'ai dit, papa était déflatté, il fallait se chercher. Donc, se chercher, il n'y a pas d'en bas pour se chercher, mieux qu'à l'intérieur. Donc, on est descendu à l'intérieur pour aller chercher les trésors qui sont cachés. Et puis, au moins, on est ressorti avec ceci. Aujourd'hui, vous êtes épanoui. Donc ça nous permet quand même de nous affirmer, de sortir la tête haute pour ne pas passer pour celui qui ne fait rien et tout le reste. Souleymane Malik Tidjani est conscient des défis et il compte sur les uns et les autres pour pouvoir les relever afin de faire de son art un contributeur au développement économique du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Allez, de retour en plateau et de retour sur Actu Matin, l'espoir à Kimi Ousseli. Eh bien, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Oh, plaisir partagé. Allez, on va faire un tour sur les stades. On va parler du Bénin avec la reprise du championnat. Exactement. On l'annonçait donc depuis ce lundi. Les footeux ont retrouvé les aires de jeu depuis ce week-end. Eh bien, le coup d'envoi de la Ligue Pro a été donné. Je rappelais au passage, hein, Christian, que désormais, eh bien, il n'y a plus de Ligue 1, de Ligue 2. Eh bien, c'est tout. Tous les deux catégories ont été mises ensemble. On parle de la Ligue Pro pour le compte donc de la première partie. Et juste après, la Ligue Pro aura droit donc à la Super League. Les clubs sont donc scindés en zones géographiques. Il y a la zone A, la zone B, la zone C et la zone D. C'est beaucoup plus par rapport, je dirais, à la localisation de ces différents clubs. On va donc commencer par y aller avec les rencontres disputées ce week-end, comptant pour la première journée de la Ligue Pro au niveau de la zone A, composée des équipes du Septentrion. Eh bien, les Panthères de Djougou jouaient donc dans l'antre d'Atchoukouma. Eh bien, les Panthères ont pris le dessus sur le Real Sport de Parakou, score étriqué, un but à zéro. Match nul entre Dynamo de Parakou et puis Dynamique de Djougou. Les deux formations sont affrontées au stade municipal de Parakou. C'était déjà le à samedi. Et puis 24 heures après, et toujours dans la zone A, les Buffles du Borgou, l'équipe championne en titre, quoique la saison sportive dernière a été donc annulée. Eh bien, les Buffles ont été tenus en échec sur leurs propres installations par les Cavaliers venus directement de la commune de Aniki. Score un but partout. Il faut rappeler au passage que ce sont les Cavaliers qui menaient le score. Il a fallu attendre donc la seconde mi-temps pour que eh bien, les Buffles donc rétablissent la parité. Un but partout. La deuxième rencontre disputée ce dimanche au niveau de la poule, au niveau de la zone A, c'est bien du côté du stade Sakakina Gezire de Kandi. AS Takune, ex-entente FC de Kandi, jouait contre Beke du Bemereke. Ce sont les visiteurs qui sont imposés par le score d'un but à zéro. Dans cette poule composée de 9 clubs, eh bien, Taneka de Natitengu était au repos. 8 buts ont été marqués à l'occasion de cette première journée au niveau de la zone A. Intéressons-nous maintenant à la zone B. On fait constater qu'au stade Paulin Tomanaga de Boïcon, eh bien, l'Estonnerre a été battu par EZAE. Score à l'arrivée, 2 buts à 0 en faveur des visiteurs. Même score entre Damissa et puis Dynamo d'Abomey. C'est bien dans la zone B. La rencontre entre Damissa s'est disputée du côté de la commune de Tchaourous, la base arrière de cette formation de Francis Kotogbouyan. Dadje FC a été battu à domicile par Espoir de Savalo. 2 buts à 1 à noter la victoire en déplacement. Le Rodio sur Énergie, c'était bien du côté du stade Paulin Tomanaga de Boïcon. Dans la zone C, composée de 9 clubs, UPONM était au repos. Les Requins de l'Atlantique ont commencé très fort en dominant Éternel par le score de 2 buts à 0. La Jacques a été battue à domicile au stade René Pleven d'Akpapapar à Didia des forces armées béninoises. Score à l'arrivée, 2 buts à 0. S-Police a contraint l'ASPAC en termes de performance. Eh bien, la rencontre s'est soldée par le score nul d'un but partout. Soleil de Cotonou et puis AS Cotonou se sont affrontés du côté donc du stade René Pleven d'Akpakpa. Les deux formations se sont séparées dos à dos, mais il y a eu des buts qui ont été marqués. 4 buts, 2 buts de part et d'autre. AS Cotonou 2, Soleil de Cotonou 2. UPONM, je rappelle, était au repos. Dans cette zone C, 10 buts ont été marqués à l'occasion de cette première journée. Enfin, Christian, dans la zone D, on retiendra que les Dragons de Lomé, les Orange et Noir ont atomisé la jeunesse sportive de Poubert par le score sans appel de 4 buts à 1. À Sauce de Porte Novo et puis Ayema se sont séparés dos à dos, un but partout. Match nul entre Asvo et puis Avranco Omnisport, un but partout. L'USS Claqué a dominé du côté du stadium de Semi-Claqué. Jeffa Football Club par le score de 2 buts à 0. Au total, 11 buts ont été marqués dans cette zone D en ce qui concerne cette première journée de la Ligue Pro. On retiendra, Christian, qu'à l'occasion donc des 17 matchs qui ont été disputés, il n'y a eu aucun match nul sans but. Des buts ont été marqués. Les attaques ont été prolifiques à l'arrivée. 37 buts au total ont été marqués à l'occasion de cette première journée de la Ligue Pro. La seconde journée est prévue déjà pour ce mercredi et jeudi prochain. Eh bien, les stades vont renouer avec donc les acteurs. À partir de ce mercredi, on vous proposera demain, Christian, le programme tout détaillé des rencontres qui vont se disputer ce mercredi. Et puis la suite et fin des rencontres de la seconde journée, c'est prévu pour le jeudi. On sera le 4 février de l'année 2021. Voilà. Et demain, vous nous reviendrez avec les affiches hein, des
les matchs qui vont se jouer demain. Et justement, et demain également, on vous proposera les affiches des rencontres qui vont se disputer du côté du Cameroun, comme tant pour les demi-finales du CHAN qui se disputent dans ce pays. Le Cameroun est qualifié autant que le Mali, autant que la Guinée, autant que, bien entendu, le Maroc, pays détenteur de ce trophée au niveau donc de cette catégorie. D'accord. Merci à vous, Hakim Essédou-Séné, pour toutes ces informations sportives. L'info continue sur Actu Matin avec, à partir de cet instant, le retour sur l'actualité. On va retrouver Assiomon Kanya Assiomon qui a lu pour nous les journaux. C'est la revue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le dépôt des dossiers de candidature pour le compte de la présidentielle de 2021 a vraiment commencé. À ce sujet, le matinal informe que deux candidats ont franchi la porte de la Commission électorale nationale autonome. Il s'agit de l'astrologue Patrice Agos-Imenou et de l'ancien ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ganius Oglo, qui n'avait ni colistier ni parrainage. Soleil levant d'ajouter que le fils de l'ancien président Nicéphore Soglo part à l'assaut du palais de la Marina. Ganius Soglo s'est rendu à la Sénat le lundi 1er février pour l'enregistrement de sa candidature à l'élection présidentielle. La Sénat a aussi enregistré la candidature de Patrice Simenouago. Fraternité estime qu'ils sont deux candidats pour amuser la galerie. Le journal note des dossiers incomplets. Plaisanteries et protestations. La première journée de dépôt de candidature pour le compte de la présidentielle du 11 avril s'est déroulée sans anicroche. Le hic au siège de la Commission électorale nationale autonome le lundi 1er février 2021 se sont illustrés deux candidats aux antipodes des conditions fixées par la loi pour prétendre à compétir. Le premier, Ganius Oglo, fils de l'ancien président Nicéphore Soglo, qui dit s'être conformé à la Constitution de 1990, révisée pourtant en 2019. Le second, Patrice Ago, est un habitué des faits dans tous les cas, rappelle le journal. Les candidats ont soin de 12 heures pour compléter leur dossier. Le journal d'ajouter pour écrire que Patrice Ago et Ganius Oglo, en attendant les grosses pointures. Soleil Levant s'intéresse au dernier classement défavorable du Bénin par Transparency International et rapporte le directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfried Léandre Ngwedji, qui indique que le Bénin prend acte du dit classement et que cela montre que l'on ne finit jamais de lutter contre la corruption. Citation, cela veut dire que la lutte contre l'impunité et la corruption est un défi permanent, c'est un défi de tous les jours. Fin de citation. Allons dans les champs de coton avec l'économiste du Bénin qui renseigne que pour un objectif de 850 000 tonnes, le Bénin aura réalisé une performance de 700 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2020-2021, mais maintient sa place sur le toit de la production de l'or blanc en Afrique. Après s'être révélé avec une production record en 2018, le Bénin a maintenu le rythme des performances. Même le contexte difficile de la pandémie du coronavirus n'a pas eu raison de la détermination des producteurs et du gouvernement du président Patrice Talon, qui d'année en année confirme sa maîtrise du secteur de par cette succession sans répit de performance. C'est plié pour cette campagne et sans perdre le temps, ajoute le journal, les dispositions sont en train d'être prises pour la prochaine campagne où le Bénin entend maintenir le rythme avec une projection de l'ordre de 800 000 tonnes. Et puis, l'appui à la promotion de la qualité dans l'agro-business par l'Union européenne et l'Agence française de développement au Bénin fait le gros titre du même journal qui rapporte que le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement a accompagné trois entreprises béninoises à obtenir la certification HACCP, à savoir les fruits loups, la bonne viande et agrodynamique. À en croire le journal, démarré en juillet 2016, le Paracep travaille à améliorer le climat des investisseurs au Bénin par la facilitation du dialogue public-privé et appuyer la mise en œuvre des recommandations du Doing Business, faciliter la mise en marché de produits agricoles, renforcer les capacités du secteur productif.
Fraternité fait une incursion dans la lutte contre la lèpre au Bénin et renseigne que maladie tropicale négligée, la lèpre n'est pas encore totalement éradiquée avec la COVID-19. Les peines s'endurcissent pour les plus fragiles et pour ceux qui en sont déjà guéris. Un nouveau combat commence pour leur insertion avec des conditions d'hygiène précaires qui persistent dans certains milieux. Le terrain est encore favorable au développement de certaines infections tropicales. Les défis sont grands, autant pour le dépistage, le traitement que l'insertion des malades. Termine le journal. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et voilà, dans une petite minute, il sonnera 9h en République du Bénin. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Excellente journée du mardi. Restez sur Canal 3 Bénin, le www.canal3television.com pour la suite des programmes. Allez, bonne journée. Gardez le sourire. Au revoir.